Un échange interculturel avec des jeunes de Lomé et notre thème c'était le téléphone portable, plus précisément les réseaux sociaux. On a choisi le thème des réseaux sociaux car on a remarqué avec l'émergence des nouvelles technologies et le développement des smartphones qu'on utilisait de plus en plus les réseaux sociaux, qu'on était de plus en plus connecté sur nos téléphones et qu'on avait tendance à se déshumaniser, à être solitaire. Par la suite, on s'est lancé un défi avec les jeunes Togolais d'être complètement déconnectés pendant 3 jours. Téléphone portable, multimédia, play, tout. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Directrice. Dit que sans mon portable, c'est comme si la vie s'arrête comme ça. Bah, ça fait bizarre, ça fait drôle. Je dirais honnêtement, ça me fait pas d'effet, vu que habituellement, j'utilise pas trop mon téléphone. Sans mon portable, on a parlé avec nos amis français. Sincèrement, moi, je pense que ça va manquer au fait. Mais si on a des choses à faire, ça manquera pas. Ils avaient droit à 10 000 par jour en fait, pour pouvoir se connecter, donner des nouvelles aux familles, regarder leur Snap. C'est un peu dur, mais ça va, j'arrive à tenir. Et en fait, on nous a accueillis avec 2 téléphones portables sur la table. Un des téléphones avait sonné et vraiment, il y avait une contradiction entre les traditions et les nouvelles technologies. Et ça nous a vraiment montré que les nouvelles technologies et le téléphone portable occupaient une place très importante dans notre vie. Cette expérience, elle a été difficile. Franchement, c'est grâce à ça, on a une meilleure cohésion de groupe. Et c'est ça qui nous a permis d'être plus solidaires entre nous. J'ai fait plusieurs grands chantiers, mais celle-ci est la plus édifiante que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Thank you.
Thank you.